sont là. Ils sont parmi nous. Dans nos campagnes. David Vincent les a vus. En cherchant un raccourci que jamais il ne trouva. Ils sont là. Bon, eh ben, de petit matin, qu'est-ce qu'on voit? Une petite démo d'un jeu qui sortira en 2022. Sur un enlèvement par des aliens, des phénomènes ovnis. Mon Dieu, eh ben écoutez, on va voir ça immédiatement. Des choses plutôt pas mal. C'est mis en 60. La détection automatique nous a mis en épique. Alors on va voir, on va voir si ça va fonctionner. Audio, bon ça c'est fait. Le contrôleur, bon, ça sera souris clavier apparemment. Le jeu en français, anglais, russe, français, italien, espagnol. Dans la démo, ouais, bah écoutez, ça c'est plutôt original et c'est plutôt bienvenu. On teste le son et après on se lance dans l'aventure. Voilà, bah écoutez, ça m'a l'air de fonctionner. Eh bien oui, un nouveau jeu, ma foi. Oh, des phénomènes inexpliqués se sont produits à la ferme Gracewood. Dans la nuit du 7 août, la famille Sherman a été témoin de lumières vives dans le ciel, qui se déplaçaient à une vitesse vertigineuse au-dessus du champ de maïs. Toujours un putain de champ de maïs dans l'histoire. Les lumières se sont déplacées dans une direction chaotique et à des vitesses différentes. Après un certain temps, elles ont disparu. Ce comportement étrange dans le ciel a été observé la nuit, à la même heure, pendant 5 jours. Selon le propriétaire de la ferme, tous les animaux sont devenus fous. Le chien est devenu agressif, a tenté de l'attaquer et l'a mordu. Des enfants l'ont mordu aussi. Ah non, les enfants se sont plaints que quelqu'un marchait sous leur fenêtre. Le fermier Peter Sherman, lui-même, alors qu'il travaillait dans la zone 51 et dans les champs, a vu une étrange silhouette qui ne ressemblait pas à un homme. Qu'est-ce que c'est? Tromperie délibérée, envie d'attirer l'attention sur vous, besoin de pognon ou une sensation d'invasion extraterrestre? Le journaliste Taylor Fox Mulder se rend à Gracewood Farm pour réaliser un reportage photo pour un journal local. Chargement. Bon, ça promet, hein. Ça promet d'être sympa niveau ambiance et immersion. C'est tout ce qu'on attend de ce genre de petit jeu. Alors, ça va être très rapide, hein. C'est la démo. Et on va voir. Objectif, parler au fermier. Peter Sherman. Alors, on s'est mis en full épique, hein, et en 60 FPS, donc... J'espère que ça va pas trop ramer. D'accord, donc on contrôle la vue avec la souris, rien de bien étonnant. Notre van des news. Est-ce qu'on peut déjà se déplacer avec les... avec les flèches directionnelles. Alors ça, moi j'aime bien, hein, parce que leur système de lettres à la con, là, hein, ça ne va pas du tout, hein, dans les jeux clavier-souris. Eh ben écoutez... Ah ça y est, le PC est en train de décoller. Et on est de nuit. Oh mon Dieu! Il se passe des choses. Oui, oui, c'est bien la photo. Au revoir la photo. Oui, c'est un excellent... Allez, on zoome. On peut pas zoomer. Je vois le phénomène. Je peux plus prendre de photos? Je peux en prendre qu'une seule. Ah ouais. Ah voilà. Mince. Bon, c'est pas grave. J'aperçois le phénomène. J'espère que vous le voyez comme moi. Épique, c'était peut-être un petit peu trop pour mon PC. Donc, heureusement, le jeu est court. Donc on... Ah bah écoutez, pour aller parler à Sherman, je pense que je vais aller dans sa maison. C'est parti. Bon, par contre,
Je vais baisser un peu, je vais baisser un peu les paramètres, hein, parce que je vais me mettre en haut. Parce que là, sinon, voilà, ça va être trop, hein, je pense. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Non, franchement, ça ne change pas beaucoup de choses. En 60 FPS, c'est un petit peu haché. En même temps, c'est un jeu qui sort en 2022, hein, donc. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Si on compare par rapport aux herbes de Resident Evil 8, ça a pas, ce champ de maïs n'a pas à rougir. Bon, si ça rame trop, je descendrai en 30 FPS, mais bon. Il va vraiment falloir que je me rachète un PC de compète hein, cette année, parce que ça ne va pas. Hein. Bonjour, monsieur. Alors, c'est-à-dire. Nous avions rendez-vous, mais quelque chose est arrivé. Notre fille a disparu. Ma femme est allée en ville pour chercher de l'aide. Mon fils et moi sommes allés vérifier partout dans la chercher partout dans la ferme. Nous laisserons des petites notes à votre intention pour et à celle de la police. Dans le cas où nous manquerions, tout simplement, nous n'arrivions pas à nous trouver, nous croisons. Peter Sherman, post-scriptum, faites bien attention à vous. Ah ben, c'était traduit à droite. J'avais pas vu que c'était traduit en français à droite, je l'ai traduit direct. Bon, ben c'est ça. Hein. Voilà, c'était ça, grosso modo. Si on était séparés. Je suis pas tout à fait d'accord avec la traduction là, mais bon. C'est pas grave. On comprend l'idée. Voilà. Objectif, découvrir la maison. Ok. Petite ambiance cosy, sympa. On sent un petit vent de panique quand même, hein. Oui, c'est un très beau téléphone. Il faut que je raccroche peut-être, ça serait peut-être utile, non? Téléphone ne marche pas. Bon bah alors ça sert à rien de le remettre. Ah mais ça rame trop, hein. Je vais descendre en 30 FPS, hein, tant pis. Hein. Oh là là! Tous ces nouveaux jeux là qui sont peut-être encore très très optimisés pour les configs moyennes. Moi, j'ai l'impression que détection automatique ça marche pas des masses hein, de toute façon hein, parce que ça change. Ah si ça a remis en épique. Non je suis désolé, hein, ça souffle trop. Hein. Non, ça ne va pas. Voilà. Allez hop. Voilà, ça sera peut-être plus fluide. Là c'est pour le stream hein, que je fais ça. Alors. Un objet mystérieux aperçu dans le ciel. C'est un vieux journal sur les crop circles et autres phénomènes. Inexpliqué. Et oui, il est rond dans les champs. L'herbe coupée. On dirait que cela se produit ici, ou aplati, ici depuis longtemps. Ok. Bon. D'accord. Bon, on doit découvrir la maison, donc on va faire le tour du rez-de-chaussée d'abord. Voir s'il y a des choses à regarder particulièrement. Oui, c'est quand même beaucoup plus fluide en 30. Hein. Évidemment, c'est comme ça que je règle le problème avec les jeux les plus récents sur mon PC, sans perdre quand même trop en qualité graphique, des textures, etc. Parce que pour moi, les FPS, c'est totalement secondaire, moi, en ce qui me concerne. Il y en a qui ne jurent que par le maximum de FPS. Pour moi, ça, sur certains jeux qui ont besoin de beaucoup de précision, c'est très utile. En effet, mais moi. Je m'en contrefiche quoi. 30, ça me va très bien. De toute façon, je vois pas la différence sur la plupart des jeux entre 30 et 60 FPS, à part que c'est mieux pour la fluidité du stream. Hein. Donc, quel intérêt quoi. Oula. Je ne comprends pas bien où je suis arrivé là. Bon,
Cette porte-là, j'irai après. Je vais aller là. Là, l'ouverture vers l'extérieur, comme ça, c'est toujours un peu ballot parce que ça traverse le personnage. C'est un peu crétin. Donc, un dessin de la fille qui a disparu. On dirait que ce dessin a été fait par la fille du fermier disparu. Oui, enfin, c'est la fille qui a disparu, surtout. La feuille est peinte des deux côtés. Ah, bah, je vois qu'il y a des visiteurs sympathiques. Ça veut dire que l'extraterrestre a zigouillé le chien. Hein. C'est pas une très très bonne nouvelle. Je viens en paix. C'est ça, oui. On me la fait pas, moi. Je suis prêt. J'ai le shotgun prêt pour toi, envahisseur de l'espace. Ok, super. Bon, ambiance. Ambiance sympa. Donc la gamine s'appelle Megan, visiblement. Elle apprend à lire et à écrire. Fantastique. Il y a un petit plémo là. Alors, note du fermier. C'est la chambre de ma fille. Oui, bah ça, on s'en serait pas douté. Hein. La nuit, j'ai entendu un bruit étrange. Quand je suis entré, elle n'était pas dans son lit. Et la fenêtre était grande ouverte. Je suis sûr que ces créatures l'ont kidnappée. Bon, on va pas aller dedans. Là. On entre dans le vif du. Mon Dieu, mais qui met ça dans la chambre de sa fille hein? Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Un Tokiwoki. Apparemment, il appartenait à la fille disparue. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre des sons très étranges. Ouais, sûrement. Ok. Coucou. Non, on nous avait promis du jumpscare, c'est pas pour tout de suite. Il faut revenir plus tard. Bon, là, ça va. Donc, cette deuxième porte, parce que là, j'ai pas trop compris. Ah, voilà. Je vois ce qui s'est passé tout à l'heure. Bon, bah là, visiblement, c'est la chambre. Oula, oulala. Ah ouais, le père a été très sur... Très sur son enquête, hein. Bien sûr. Photo d'internet, on dirait que Peter Sherman a vu quelque chose de similaire. Ça a l'air effrayant. Oh les gars, il va falloir revoir un petit peu les dialogues, mais... il va falloir revoir un petit peu les phrases de tout ça, hein, parce que visuellement c'est sympa, mais... c'est un peu neuneux et générique, hein, les phrases pour l'instant. Photo d'internet, on dirait que... Oui d'accord, okay. En plus c'est la même. Bon, je vais quand même les faire toutes au cas où... Oh là. Au cas où il y aurait un truc derrière, parce que c'est évidemment sur la dernière qu'il va y avoir un truc intéressant. Et puis, voilà. Ouais, bah, faudra varier les phrases, hein, parce que là... Là, c'est vraiment le truc de base à la con. Hein. Enfin, pour un jeu qui doit sortir en 2022, ça va, il y a le temps de... Il y a le temps de l'améliorer. Je pense qu'ils essaient de surfer sur la vague du rapport américain là sur les ovnis pour essayer de faire connaître leur jeu et créer la hype. Ils ont raison. Ok, bon voilà. Donc on a vu des choses magnifiques. Super. On s'est renseigné sur le sujet. Bah, le jeu est peut-être court, mais pour l'instant, il y a des trucs à faire quand même. Hein. J'ai retrouvé mon vieux journal intime. Comment ai-je pu oublier ça? J'ai déjà vu les aliens. Je les ai déjà vus. Ok. J'ai trouvé mon vieux journal. Où j'ai 15 ans. Comment puis-je oublier cela? Aujourd'hui a été le jour le plus incroyable et effrayant de ma vie. J'ai vu des extraterrestres. Mes parents pensent que je mens. Mais c'est vrai. Je pêchais depuis une jetée abandonnée sur la rivière. Soudain, je fus assourdi par un grondement venant... De derrière, je me suis retourné. Un énorme disque avec quatre lumières clignotantes ou fenêtres tournait très bas au-dessus du sol. J'ai senti un coup qui a semblé me jeter en l'air. Je me suis accroché comme en apesanteur. Tout autour de moi est devenu d'une luminosité éblouissante et je semble m'être évanoui.
Je me souviens avoir vu trois extraterrestres à la peau grise et aux grands yeux. Ils m'ont mis sur la table. Oula, comme si j'y étais enraciné. Ils se tenaient au-dessus de moi. Il me semblait qu'ils communiquaient entre eux par télépathie. Puis l'un d'eux est venu et m'a fait quelque chose à ma tête. Je ne me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillé sur la jetée, tard dans la soirée. Référence peut-être. Et je suis à peine rentré chez moi. Compliqué la traduction. Ma tête bourdonnait. Je rentrais chez moi comme en délire. À la maison, j'ai trouvé plusieurs coupures sur mon corps et deux petits trous très réguliers derrière l'oreille. Qu'est-ce que c'était? J'ai peur de m'endormir. Ok. Ah bah ils ont leur bonne tête d'alien, hein. On n'est pas trop surpris. Ok. Bon, on va aller voir l'ordinateur maintenant. Oula. Il se passe quelque chose. Oula, oula. Ah, il s'est passé quelque chose. Mince, pile le moment où j'arrivais sur l'ordinateur. Donc résultat, j'ai pas pu voir ce qui était dessus. Oh, encore une note du fermier. Bah, il y a des trucs à lire. Hein. Oh là, mon Dieu, c'est super long. Allez, c'est parti. On est là pour enquêter sérieusement, oui ou non. J'ai beaucoup appris sur ces créatures. On les appelle les gris. Oh là, ça aussi, c'est pas original. Ce ne sont pas de petits hommes verts, mais de grandes créatures effrayantes et dangereuses. Fondamentalement, ils sont décrits comme suit. Une grosse tête disproportionnée par rapport au corps, pas de cheveux, une tête à chapeau. Des yeux noirs sans fond, une peau grise, de longs membres fins, des griffes acérées. Leur voix ne ressemble à rien d'autre. Ces extraterrestres sont très agressifs envers les gens. Tout commence par des lumières vives dans le ciel près de la maison, qui se déplacent le long d'une certaine trajectoire. Dans le même temps, les gens saignent du nez, des maux de tête sévères et des bourdonnements d'oreilles commencent. Ah, voilà ce qui m'attend, super. Les animaux font rage. Oula, à ce moment-là, faut revoir la traduction française, les gars, c'est important. De plus, les gens développent des trous de mémoire, des périodes où ils ne se souviennent de rien. Lorsqu'ils ont repris connaissance, ils ont constaté qu'ils se trouvaient dans des endroits étranges, par exemple au milieu d'un champ ou sur la route, à quelques kilomètres de chez eux. Pour certains, de terribles bribes de mémoire sont revenues. Les gens se souvenaient d'expériences terribles. Les extraterrestres ont établi un contrôle sur leur esprit et influencé la psyché. Des traces ont également été retrouvées sur le corps, à savoir des coupures. À la palpation, il y avait un épaississement, un corps étranger qui se déplaçait sous la peau. Ah, ils nous ont implémenté des trucs là. Ils nous ont implanté plutôt des trucs. Ah, c'est dégueu. Bon, alors malheureusement, j'ai pas réussi. J'aurais peut-être dû aller sur l'ordinateur en premier, à moins que ce soit ça qui déclenche tout. Bon, en plus, il ne reste même pas un peu de pizza froide. Donc ça, vraiment, c'est scandaleux. Bon, rien d'autre ici. Un petit effet lampe torche, histoire de nous faire flipper très prochainement. On peut pas se cacher dans l'armoire. Ça, on a vu. Tout ça, on a vu. Et bah écoutez, je vais descendre hein, parce que. Bah voilà. On verra bien. Je reviens dans 2 secondes. Me revoilà, on va poursuivre notre expérience du troisième type, du troisième sale type. Alors, bon alors maintenant faut s'attendre à tout. Ok. On redescend.
Je me méfie. Je me méfie. Oh là. Cette chaise n'était pas tombée tout à l'heure. Ah, mon Dieu, je ne suis pas seul. Ils sont rentrés dans la maison. Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas fermé la porte. Je ne sais pas. Ah, la vaisselle n'est pas faite. Des trucs paranormaux qui commencent. Je sors ou... Ah non, c'est le salon, là, c'est la télé. Petite alien, es-tu là? Ah oui, vieux matériel, hein. Ah, un vieux film. Pardon. Un vieux film sur les aliens. Bon, pendant ce temps-là, il doit se passer quelque chose derrière moi, c'est ça? Je prends un peu de recul, hein. N'y allez pas, madame, c'est un piège. C'est peut-être un extrait d'un truc célèbre, mais j'avoue que là, je le remets pas, là. Il essaie de communiquer, là, ou... C'est toujours le film. Ah, oh, les cons! Oh là là là. Oh, les cons. Bon, bah voilà. Oui, ma lampe torche. Eh bien, il va falloir que je sorte alors. Il se serait pas caché dans la salle de bain quand même. Sympa l'ambiance. Là, je suis même pas en épique donc. Bon, j'ai bien fait parce que le PC, ça l'a calmé un peu quand même. Alors, encore une petite note. Je suppose que pour déclencher le script, il doit falloir trouver toutes les notes, au fur et à mesure. Il y a un truc qui fait du bruit, là. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Ils me torturent encore aujourd'hui. J'ai vu des médecins des dizaines de fois, mais personne n'a pu expliquer la raison de leur apparition. Et récemment, d'étranges sensations de picotement désagréable à l'arrière de la tête leur ont été ajoutées. Maintenant, j'ai compris pourquoi les médecins ne pouvaient pas déterminer la cause des migraines. La réponse est simple. Kidnapping, un enlèvement extraterrestre dont je me suis souvenu seulement quand j'ai trouvé mon vieux journal. C'est alors que la migraine a commencé. Les coupures que j'ai remarquées alors, derrière l'oreille, en ont laissé une trace. Il est juste là. Cicatrice. Je suis sûr qu'ils m'ont implanté quelque chose. Une sorte d'émetteur ou d'implant. À cause de lui, j'ai tout oublié. Je pensais sérieusement que... Et je l'aurais. Je ne suis pas fou. Mais... C'est pas du tout ce qui est marqué. Je me suis décidé à... À l'obtenir. Je veux vraiment l'attraper, cet implant, pour m'en débarrasser. Mais c'est pas du tout. Ouais, la traduction, faut vraiment la revoir. Hein. On a de la chance d'avoir quelque chose, mais bon, c'est incompréhensible pour les gens qui. Qui comprennent pas l'anglais, quoi. C'est un peu difficile, quand même. C'est un peu délicat. Bon, bah, je vais devoir sortir alors. De la maison, probablement. Je sais plus où est la porte d'entrée. Comment?
Ça a frappé là, c'est ça? Oh, j'ai commencé à flipper moi. Ça, je l'ai déjà vu. Et ah oui, c'est la lampe. Oula, le mec qui est parti. Ça a déclenché l'alarme de ma voiture. Est-ce qu'il faut que j'y retourne à mon camion? Oula. Oula. Oh putain! Courez! Courez aux voitures! C'est par là-bas. Oh putain! Courir, oui, mais je sais pas comment faire. Où est-elle, la voiture? Elle est là. Oh putain! Il s'est passé un truc, mais je sais pas quoi. Et donc. Ouf. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Oula là. Il y a un vaisseau. Bonjour. Bonjour. Je viens en paix, moi. Moins sympa cette lumière. Bleu content, rouge pas content, c'est ça? J'ai été abducté. Bon. Eh bien voilà. Dans la version complète du jeu, vous trouverez un vaste territoire de la ferme Greasewood et l'histoire complète d'un enlèvement extraterrestre. Ajoutez le jeu. Oui, non, mais non. Pas tout de suite. Plus tard. Bon. Eh ben voilà. On a fini la démo. Qui était extrêmement scripté, mais ils ont déjà des environnements plutôt plutôt adaptés, plutôt sympas. Ils ont scripté une petite démo sympathique avec quelques événements, mais tout ça était extrêmement classique. Les jumpscares étaient honnêtes. On aimerait en voir un petit peu plus. Ça n'en dévoile pas trop en même temps. Bon, voilà, c'était une petite démo sympa du matin. Eh bien, merci à tous. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas enlever bêtement comme moi. Et à très bientôt. Ciao les gens.